ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन दो। Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Zèle et enthousiasme. Le signal à Vyakti. Pour les enfants, gardez la terre de la libération, notre douce demeure dans un œil. Et la terre de la libération dans la vie, dans l'autre. Vous pouvez voir votre maison et votre royaume face à vous. Les gens pousseront des cris de détresse en disant qu'ils meurent, tandis que vous direz que vous êtes maintenant en train de rejoindre votre maison et votre doux royaume. Porterez les cloches de rien neuf. Et vous chanterez et danserez dans le bonheur d'aller à la maison vers le Père, puis dans votre royaume. Ils pleureront de détresse, tandis que vous allez retourner vers le Père. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. बहुत अच्छी निर्भयता पर हमने सुना कि हमें यही संकल्प रहेगा और रहता है कि Nous avons entendu sur le fait de ne pas avoir peur. Et que l'on va retourner à la maison et que l'on va ensuite aller dans le royaume. Donc, quand il y a des situations, Baba dit, voyez dans un œil la libération. Et après la libération dans la vie, on retourne à la maison et ensuite dans le royaume. Et quand on a cette pensée, nous n'aurons plus peur de quoi que ce soit puisque nous connaissons notre destination. Donc, pour le zèle et l'enthousiasme, le premier mot que l'on peut entendre, c'est « Waouh, ma fortune ». Baba dit que nous sommes très fortunés, que nous avons cette ivresse. Et cette fortune que nous avons reçue de lui, et quand on pense à cela, on a beaucoup de bonheur divin à l'intérieur. Un jour, Brahma Baba a dit, après le murler, faites une liste de 100 choses qui font 100 choses qui vous rendent malheureux et une chose qui vous rend heureuse. C'est pour vous montrer, Brahma Baba avait donné ce travail à faire pour montrer que même si dans le monde de la peine, nous avons beaucoup de peine, il y a toujours au moins quelque chose qui nous rend heureux, soit Baba. Alors, même quand on a différentes relations, il y a à la fois de l'attache, de l'attachement et du bonheur. Et Baba dit de rester, de ne pas causer de peine à qui que ce soit et ne pas prendre la peine de qui que ce soit. Parfois, c'est possible qu'il y a une situation où il y a un grand bouleversement. Et on se demande où est passée ma fortune. Mais on ne peut pas dire cela, dit Mohini. Baba dit, c'est le drama.
Donc, on ne peut pas non plus prendre la peine. Pourquoi quelqu'un donnerait-il de la peine aux autres? Si on fait attention à nos pensées, à nos paroles, il n'y aura pas de peine. Mais comment recevoir du bonheur? Baba est le grand donneur de bonheur. Et pour comprendre tout cela dans notre vie personnelle, on doit faire attention que Baba est venu et que ma peine est retirée, que Baba est venu me donner du bonheur. Et on veut que notre travail à la maison soit de penser très en profondeur à tous les points. Et nous devons réfléchir à savoir comment le donneur de bonheur, comment notre peine est-elle retirée et comment est-ce passé tout d'un coup que Baba a retiré la peine? Était-ce à travers les actions élevées? Était-ce à travers la connaissance? Nous devons y réfléchir et nous y réfléchirons en profondeur dans la connaissance et aussi dans notre vie pratique. Donc, on doit rester constant dans notre réflexion et ainsi on va pratiquer au quotidien. Et on doit voir aussi, on peut regarder aussi le Murli Experiment qui sera en lien avec l'âge d'or. Donc, il y aura tous ces aspects nous permettront d'aller très en profondeur. Et aujourd'hui, quand j'ai eu 2 ou 3 minutes, quand j'avais une chance, je pensais, qu'est-ce qui est dans ma fortune? Quelle est ma fortune? Même si nous avons le bonheur, est-ce un héritage, est-ce une loterie? Qu'est-ce que c'est ce bonheur que nous recevons? Quel est cet héritage que nous recevons? Et Baba dit parfois que c'est une loterie, parfois ce sont des acquisitions, parfois nous avons trouvé la destination. Tout cela, ce sont des éléments qui sont liés à l'héritage et on doit réfléchir à tout cela. Et quel est le premier élément? Le premier élément à réfléchir, c'est comment est ma fortune? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette fortune? Et la première fortune, c'est que non seulement Baba m'a trouvé, mais il m'a aussi adopté, donc je lui appartiens. Et parfois, Baba dit, je vous décore. Donc, il y a, quel que soit le murli, regardez dans le murli du jour, choisissez le point qui est en lien avec votre fortune. Quelle est votre fortune? Quelle est ma fortune? Pour que l'intellect puisse réfléchir au point du murli, dans le murli au quotidien, qui est en lien avec « Quelle est ma fortune? » Et ainsi, nous pourrons des fortunes et notre zèle et notre enthousiasme feront partie de notre réflexion. Om Shanti. Ma fortune. Ne permettez jamais aux ailes et à l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est de devenir égal au Père avec tous les pouvoirs, les vertus et les trésors de la connaissance. Même dans le cycle précédent, nous étions une âme élevée. Ce n'est pas la fortune d'un seul cycle, mais c'est la ligne de fortune qui il y a un zèle naturel
et un enthousiasme aussi. Qu'est-ce que l'enthousiasme? Quelle est ma fortune? Wow, ma fortune. Om Shanti.